Rando Sobriamba Babaraindo Ruya Babarabando Soria Bado Yanda Suria Bagando Yanda Erikendo Lorobo Cobreve Candolo Yambaba Rabacando Sobianda Criba Candolo Rebikendo Flabarinda Rabacando Loto Cobre Kim Rabacando Sobricanda Brecando Lorianda Oi Cababacando Sobriamba Barabara Loco Brianda, Sobianda, Breando, Sobini, Rabacanglo, Tocobre, Kendlo, Sobrina, Rabacabarabacundo, Sobre, Kimbarabahando, Ricambarabacundo, Sobre, Kendablaranda, Rocobe, Kenda, Rabacondlo, So, Tibicandlo, Tibicandlo, Rabacandlo, Rebikindlo, Sobina, Rabacandlo, Dobre, Kendlo, Bricabahanda, Rabacandlo, Tobre, Kandaraba, Socorro, Bekindaini, O combri bacandolo sobre andai, ro combri bacando sobriga la brendo, rabacandolo sobriquin la brabacandolo sobrina, rabacandolo tuberquendolo sobriran, nicandolo rivicandolo, rabacandolo tuvena brabando, o tu comine chembre che menono. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, rayant Seigneur. Dans notre vie, Christ le Sauveur, rayant Seigneur. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame celui qui est vivant. Il est digne de gloire. Il est digne d'adoration.
Amen. 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 Assois-toi en saluant ton frère, ta soeur. Zindi la pousse yaka la zindi. Dit Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le bas du sabbat. Ne crains pas, il est avec toi. La yai c'est bénéfo. La victoire est de ton côté. Ton rabbi est faux. La victoire est avec toi. Ton rabbi est faux. Car son esprit repose sur toi. Malab si rabbi fosugu. Mon frère. Mbabiga. Tu es le choix de Dieu. Foya wenam yam yakle. La solution divine. Foya wenam yel manare. Dieu ne peut rien faire sur cette terre. Wenam batama boteng anjugu. Sans toi. Sans pas ni faux. Tu es l'instrument choisi de l'heure. Foula wa quelqu'un tout le temps. Tu es l'instrument choisi de l'heure. Foula wa quelqu'un tout le temps. En tant qu'instrument. Foya tout le temps. Alors tu vas atteindre ton prochain. Fonam tafto. Tu vas atteindre les nations. Fonam pas ma boue de faim. Parce que Dieu t'a suscité. Balon nam yaka faux. Pour ce temps de la fin. Afin que son règne se manifeste à Puki dans les nations. Vous de Fabra élevé, positionné, et tu règnes la folie de dans les lieux célestes, ça pourra au-dessus des dominations, ambetron fasoué, des forces occultes, ambelika bank fasoué, des sorciers, ambesson fasoué, ils ne peuvent rien contre toi. Apartement bas fait une faute, car celui qui a tout vaincu, sabine ton refrain est en toi. Deux fois pour un et avec toi la bénéfice et il règne pour toujours. La lutte n'a pas fin. Il n'y a qu'au de cela. En un de mes inga, tu es roi et sacrificateur. Faut y arriver la main coude dans la maison de Dieu. Wendam Zaka pourra et la maison de Dieu. La Wendam Zaka est la maison élevée. Ya Zaklinge Zaka au-dessus de toutes les maisons. En besoin de France Zubi. Amen. Amen. Alléluia. Barkouanam. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Barkouanam. Merci Seigneur. Bark Zusova. Merci Seigneur. Bark Zusova. Gloire à Dieu. Barkouanam. J'ai envie de dire. La tabe yele. Merci Seigneur. Bien. Pour ton sang versé. Pour moi. Merci Jésus pour ton sang versé pour ma vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Barkouanam. Gloire à Dieu. Barkouanam. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'église locale et l'esprit de prière. L'église locale et l'esprit de prière. Cela est très important, mon frère, ma soeur. Et nous vous saluons, vous tous qui êtes en connexion avec nous par Internet et par la télévision du royaume des cieux. Que vous regardez dans n'importe quelle intention, cela vous sera bénéfique au nom de Christ Jésus. Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Et nous vous apprécions, vous qui êtes dans vos maisons. Et nous sommes en communion avec vous par l'Esprit Saint de Dieu. Alors ce matin, l'église locale est l'esprit de prière. Il faut que nous revenions à nos anciens sentiers. Lorsque nous allons comprendre qu'est-ce que l'église locale et quelle est la relation de l'église locale avec la tête qui est Jésus, et que nous allons jouer notre rôle, notre partition, nous allons voir que nous avons manqué beaucoup de choses parce que nous étions à la recherche de nos de nos besoins égoïstes. Nous avons oublié que Dieu a dit lui-même qu'il se préoccupe de nos besoins. Lorsque nous nous préoccupons de ses besoins et du besoin de son peuple, lorsque je prends la décision d'être une solution pour mes frères et mes sœurs, d'être une solution pour l'église du corps de Christ, le ciel est tellement dans la joie que le Père dit aux anges, cet homme ou cette femme là, j'ai
vu qu'il a le même rythme de battement de cœur que moi. Ce qui me fait souffrir, le fait souffrir. Ce qui m'intéresse, l'intéresse. Quand j'étais sur la terre, par mon fils Jésus, lui, il était préoccupé des besoins des autres. Il allait toujours pour, vers ceux qui avaient besoin de Dieu. Et mon corps est censé faire la même chose. Et parfois mon corps n'a pas compris cela. Mon corps n'a pas appris à donner. Et comme la mère salée en Israël, elle reçoit beaucoup, elle ne donne pas. C'est pourquoi elle est desséchée. Mais pourquoi le Jourdain est-il renouvelé? Parce qu'il reçoit et il donne. Et en permanence, il est renouvelé. Dis à mon peuple, lorsqu'il refuse de donner, de se préoccuper des besoins des autres, et il veut conserver pour lui l'eau vive que je leur ai donnée, ces fleuves d'eau vive là vont se dessécher. Mais lorsqu'il laisse couler cette eau vive, comme moi-même, j'ai laissé couler cette eau vive là, pour aller vers les autres, jamais je n'ai manqué de quelque chose. Jamais le Père m'a dit, mon fils, je ne donnerai pas ça. Pas, je me suis préoccupé des autres. C'est la solution des autres. Bien aimés frères et sœurs, telle est la déclaration de notre Seigneur. L'église locale et l'esprit de prière. Et à travers l'esprit de prière, tu vas voir combien tu es vraiment important et aussi une solution pour tes frères. Dans l'église, il n'y a pas d'exclusivité. Il n'y a pas, bon, moi, je guéris les malades seulement. Oui, nous ne pourrons pas mettre mamie tout le monde. Non, tu vas manquer quelque chose. Moi, je bénis les gens seulement. Physiquement et financièrement. L'église locale faisait tout ça. L'église locale s'intéressait à chaque aspect que Dieu a voulu que le royaume, dans lequel Dieu a voulu que le royaume fonctionne. Regardons l'église locale dans l'Ancien Testament. Regardez son image dans l'Ancien Testament, dans le psaume 133 que nous allons ouvrir ensemble rapidement. Ouvrez d'abord vos Bibles. N'apprenez pas à écrire. Ouvrez votre Bible et le reste vient rapidement. Le psaume 133. D'abord, aie les yeux fixés sur la parole de Dieu avant de l'écrire dans ton cahier. Le psaume 133. Regardons l'église dans l'Ancien Testament, déjà annoncée par le grand David, l'homme ouin, l'homme dont le cœur était, qui battait au rythme du cœur de Dieu. Le psaume 133. Regarde ce qui est écrit. Voici. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux. Pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête. Descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Regarde attentivement ce que Dieu te dit ici. Regarde attentivement. On a dit, technicien, psaume 133, on n'a pas de verset 1, c'était tout le psaume 133 qu'il fallait présenter. Donc, le verset 1 dit, voici, Dieu dit, regarde mon fils, regarde attentivement. L'église va venir, tu ne la connais pas, David. David a vu cette montagne de Sion qui représente l'église.
et il a vu une multitude de gens. La yan neptuskateka. David regarde cette multitude là. Ta David get nepkunkanga. La chose va se passer 4000 ans plus tard. Bumba David ni on a ma pire mais nous tout en a pole. Quand David regarde attentivement, David ni on kamengengesa. La montagne de Sion, Sion tanga, qui est l'église. Nyawindo kaneba. Qu'est-ce qu'il voit? Moi là ne. Il voit une assemblée. Ané nepsantiktaba. Il voit des hommes et des femmes. Ané la pla parba. Et il voit tellement l'amour en eux. La ne nongolma nyambiomzigo. Ali David s'est écrié. Ta David kasiye. Oh. Oh. Voici. C'est comme s'il disait aux gens. Voici, ça veut dire quoi? Voici ces deux mots, voir et ici. Ade gombi se iba voici geskala yaka. Et on a contracté en mettant voici maintenant. David attire l'attention des gens. David ne va pas comme il dit. Regardez. L'église qui est en train de venir. Il ne connaît pas le nom. Mais il sait que ça s'appelle Ecclesia. La Bible dit Ecclesia. Une assemblée. Solom Neva. D'hommes et de femmes. Rassemblés ensemble. Et il regarde. Quelle est la caractéristique? Qu'est-ce qui marque cette assemblée? Il est tellement émerveillé. Il s'écrie. Qu'il est doux. Il est agréable pour des frères ne pas de demeurer ensemble. Voici l'église. L'église, c'est un rassemblement de d'hommes et de femmes. Né de nouveau par le Saint-Esprit. En qui la vie divine a été déversée. Et ceux qui sont au dehors regardent l'assemblée des saints. Regardent l'église. Et sont émerveillés de voir. Que mais il y a une douceur. Il y a quelque chose d'agréable. Pourquoi? On va voir ce que David a vu et que plus tard nous allons le voir dans Actes des Apôtres et dans les Épîtres. Il a vu beaucoup de choses. David y a mais il résume ça ici. La zone à laquelle nous vivons là. Frères et sœurs. Est-ce que tu peux dire l'église locale? Il est doux et agréable pour nous d'être là. Tu as beaucoup de déjà tu viens. En condamnant tes frères et tes sœurs. David a regardé l'église locale. David a dit mais c'est ça. Mais Seigneur. Nous n'aurons pas part à ça. Tu as dit c'est pas pour vous David. David. La montagne de Sion, Sion Tanga, qui est l'église, ça va venir plus tard. Il y a un de tes descendants qui sera réellement le représentant de l'église et il ne dit pas son nom. La foyangayemre bien-aimés frères et sœurs. Et qu'est-ce que David dit maintenant? Trois choses principales. Quand il dit des frères de demeurer ensemble. Demeurer ensemble, ce n'est pas géographiquement, c'est pas géographique, c'est pas physique. C'est-à-dire que s'interpénétrer. Se reconnaître. S'accepter. Se bénir les uns les autres. C'est normal, tellement normal. Regardez une famille simple, une famille est naturelle. Regardez les parents qui sont assis, qui regardent leurs 5 enfants ou 6 enfants. Ils voient les grands qui vont vers les plus petits et ils les prennent. Ils sont sales, ils les lavent. Les uns et les autres prennent soin des uns des autres. Ils se donnent à manger. Ils ne se frappent pas. Ils ne se jalousent pas. Le papa et la maman sont heureux. Regarde ces enfants-là. Leur cœur sont remplis de joie. Parce que c'est ça qu'ils ont voulu. Ils savaient qu'ils veulent une famille. Et c'est une famille qu'ils ont ici maintenant.
chacun pourvoit aux besoins de l'autre. Alors les parents sont, la maman regarde le papa, les larmes coulent. C'est ça la famille. C'est ça que nous avons toujours espéré. Nous avons toujours voulu que les membres de la famille se reconnaissent. Ils sont nés du même père, de la même mère. Ils ont une seule source. Et ils se prennent en charge les uns les autres. Ils se couvrent les uns les autres. Même quand ils sortent au dehors, dès qu'il y a un problème, les enfants font front commun. L'adversaire. Et là, les parents sont contents. C'est ça. Quand Dieu regarde le corps de Christ, la famille, église. Quand Dieu nous regarde ce matin, les églises du monde entier. Est-ce que Dieu peut s'asseoir dire à son fils Jésus? Vraiment, la famille que nous avons sur la terre est merveilleuse. La famille que nous avons sur la terre. Regarde cette fille là. Comment elle s'élève, elle pourvoit aux besoins de l'autre. Regarde ce frère là. Parce qu'il sait que l'autre frère n'a pas de moyen de locomotion. Il s'est empressé de s'habiller. Il est parti garer sa voiture. Cette famille là. Qui marche loin pour venir. C'est arrêté devant cette famille. Frère, nous vous attendons. Prenez votre temps. On va vous amener à l'église. Alors le père est content. Regarde mon peuple. Regarde mon peuple. Elle avait le droit de venir à sa voiture vide. Elle a pensé aux autres. Elle a vu des gens de la même famille que lui. Elle a vu des frères et des sœurs comme lui. Elle est partie garer sa voiture. Elle a attendu cette famille là. Elle les a pris. Elle a amené à l'église. À la fin de l'église. Elle a dépôt à la maison. Dieu dit, ça c'est ma famille. Ça c'est ma famille. Que fais-tu? Toutes les richesses que Dieu a mis entre vos mains. Vous savez qu'un jour, vous allez mourir, laisser ça. Ça n'a pas été investi pour le royaume. C'est dommage. Tu achètes toi. Faut travailler une voiture, mobile, deux motos. Montez les ton frère. Faut pas bien. La moto est gâtée. Montez la salle. Tu gardes les deux motos là pourquoi? Faut garder monter ici même bon. Famille de Dieu. C'est ça qu'un père et une mère. Non là bas la main. Aimerait voir. Non rien. Quand un père et une mère voient ça. Balé mahanya. Au lieu de voir ça. Les enfants se disputent. Tu commences à battre. Les enfants se frappent. Tu commences à battre. Pour le plus petit morceau de pain. Ah n'aime bouquille là. Pour la nourriture. Living. Pour les habits. Footing. Les enfants se frappent. Commences à battre. Les déchiquettes. On parle de table. Père et la mère, le reste il pleure. Les cœurs sont déchirés. L'église famille de Dieu. L'église famille de Dieu. Dieu a deux familles. Dans Éphésiens il dit une famille dans les cieux. Ceux qui sont déjà partis. Et sur la terre. Nous qui sommes sur la terre. Dieu veut voir. Oh bien aimé frère. Ce matin laisse ton cœur être saisi. Nous sommes en train d'avancer rapidement. Les temps vont devenir mauvais. Ce sont ceux qui ont cet amour. Dans cette vision de la famille Dieu, l'église famille Dieu, ce sont eux qui vont passer à travers les épreuves, les tentations qui vont venir sur le monde. Mais ceux qui se sont fermés sur eux-mêmes, égoïstement, ils ne verront rien, frère. Alors, lorsque la tempête viendra, ils vont se braquer sur eux-mêmes, ils vont vouloir se sauver. Alors que Jésus a dit que celui qui veut sauver sa vie là, perdra. Mais celui qui donne sa vie pour les autres, là, il gagnera. Alors apprenons ces principes là. Et là sortons de la théorie frère et soeur. Commençons à comprendre que nous sommes une famille. L'église locale. Une famille locale de Dieu sur la terre. Une famille locale de Dieu sur la terre. Vous qui êtes ici, l'église des nations. Vous êtes une famille locale. Nous avons nos frères et sœurs dans d'autres quartiers de Ouagadougou. Dans d'autres villes de Burkina. Alors quand nous demeurons ensemble, qu'est-ce que Dieu fait? Il est tellement content qu'il commence à faire la première chose. Il envoie l'huile précieuse. Verset 2. Il envoie quoi? L'huile précieuse du Saint-Esprit. C'est ça.
Il envoie l'huile précieuse du Saint-Esprit. C'est cette onction dont j'ai besoin maintenant. Douce onction où l'impôt me rendre pur oh, impuissant. La main de Dieu. Un attouchement de la main du Seigneur. L'huile précieuse est déversée sur la famille locale de Dieu. Ce matin, cette présence divine est ici. Cette présence glorieuse et majestueuse du Saint-Esprit. Écoutez-moi avec sérieux. Il veut simplement déposer sur vous sa bonne main. Parce que vous commencez à comprendre que garder les choses pour vous-même, ça pourrit. De ce principe-là, un jour, je vais vous l'enseigner. Quand Dieu a donné la manne, les gens ont voulu garder pour eux-mêmes. Dieu a envoyé la pourriture. Vous entendez? Quand ils ont voulu garder, le lendemain, il y avait des vers dans la manne. Mais ils ont dit, mais comment? Quelque chose qui vient du ciel peut être pourri. Oui, tout ce qui est du ciel est incorruptible. Mais c'est la main ingrate, égoïste de Dieu, que l'homme prend, la pourriture. L'homme peut polluer ce qui vient de pur de Dieu. L'homme peut polluer l'amour divin. Dans l'amour divin, il n'y a rien de mal. Mais donc l'homme garde cet amour pour lui. On doit m'aimer. C'est moi qu'on doit aimer. Il ne veut pas aimer les autres. Cet amour se change en égocentrisme. Et ça devient une convoitise, une jalousie. Et l'amour est corrompu. Écoutez ce principe. L'huile précieuse de la main de Dieu. Cette huile précieuse est ici ce matin. Dit, l'huile précieuse est déversée sur la tête. Parce que nous sommes prêtres et sacrificateurs comme Aaron. Cette huile précieuse de la présence du Saint-Esprit est manifestée sur la vie de chacun. Elle ne reste pas sur la tête seulement. Elle descend jusqu'au bord du vêtement d'Aaron. Et ça coule sur les vêtements. Cette huile précieuse coulait tellement sur Jésus que la femme à la paix descendit. Il a touché seulement son bord. Cette huile précieuse qui continue à couler va me toucher. Bien aimé frères et sœurs, en venant ici, vous devez être guéri instantanément. Si vous vivez seulement dans la reconnaissance du corps de Christ, frère, peut-être tu es malade dans ton corps. Quelqu'un d'autre vient. Il est souffrant. Pour faire un pas, c'est difficile. Tu viens, tu le doubles. Là. La personne est là. Tremble. Quelques secondes. Pourquoi ne pas aller s'approcher près de lui? Donner ta main. Frère. Et l'autre. Donner ta main. On va t'aider. Mon frère, cours voir chercher une place pour le frère. Dans l'église. La personne met 20 minutes. Pour faire 20 mètres. Naman, mètre pis. Vous vous asseyez. Vous regardez les malades venir. C'est ça. Yaya. Le manque de reconnaissance dans on ne reconnaît pas les gens. Regarde les gens, frère. Le ciel est étonné. Comment le ciel peut déverser tant d'amour qui n'est pas manifesté? Quel gâchis. C'est comme dans la ville. Il y a l'eau qui coule dans certaines maisons. L'eau coule. Comment il y a des piscines, les enfants gâchent l'eau. Tu pisses quoi, ma sam, quoi, ma.
Et en ce temps, dans le même quartier, le voisin de celui qui fait couler l'eau là, son voisin, sa femme, est obligé de porter un canari à 5h du matin, à 4 km, chercher l'eau, non pas pour se laver, pour préparer le repas. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Vous avez des mètres cubes d'eau, vous avez un robinet dans votre maison. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Cette vieille pauvre femme là, enceinte en plus, qui n'a même pas l'eau, vous donner un fût d'eau là, ça peut vous faire quoi? Ça peut vous faire quoi? Ça peut vous faire quoi? C'est la facture d'eau de Néa. C'est ça ton problème? N'impact faux. Donc les écluses des cieux sont taries. Les eaux, la rivière, il est dit que la rivière de Dieu ne fait quoi? Jamais. L'église famille. L'église est la famille de Dieu sur la terre. Dieu est père, il a toujours désiré avoir des enfants. C'est pourquoi, quand Adam et Ève étaient en harmonie, regardez comment ils descendaient au milieu de tous les jours. Mais quand ils sont entrés en désharmonie, ils ont commencé à s'accuser les uns les autres. Ils ont commencé à tirer la couverture les uns sur les autres. Dieu est parti les laisser. Tu sais pourquoi Dieu ne te visite plus? Tu pleures dans ta maison, Dieu ne te visite pas. Tu te préoccupes des choses inutiles. Tu te préoccupes des choses secondaires. Tu te préoccupes de toi. Dieu aurait pu mettre, Dieu a des gens préparés même pour venir prendre tes enfants, payer leurs études 5 ans. Tu n'es pas capable de donner 500 francs même à l'enfant du voisin. Donc Dieu arrête tout ce qui veut t'aider là. C'est dans la ville comme ça. C'est le principe de Dieu. L'église est une famille. L'église est l'esprit de prière. On est dans ça, on n'est pas hors sujet. Il est bon que nous puissions commencer à réfléchir. Donc vraiment une huile précieuse. Verset 3, il dit la rosée de l'Hermon. Là où l'église demeure ensemble, l'huile précieuse du Saint-Esprit est répandue. Ensuite, la rosée qui amène la fraîcheur. Le passé, vous êtes rafraîchis. Combien de gens parmi nous sont fatigués, languissants et abattus? Ils n'ont pas de fraîcheur. Ils n'ont pas de fraîcheur. Il court à gauche à droite, croyant qu'il y a des hommes qui ont le don de rosée de fraîcheur. Il chante chaque fois. Fraîche rosée tombe sur nous tous. Lui ton fanzugu. Mais la rosée ne tombe pas. La mienne m'a pas tout tombé. La rosée tombe. Mienne m'a tout tombé. Là, zininga. Où des frères demeurent ensemble. Babi sympa n'entable zingaye. L'Église soupire après un réveil. Windoga ne bouge pas. Il n'y a pas de réveil. Nekrakabek. Si le réveil ne se manifeste pas dans les individus, le réveil ne viendra pas seulement de la chair ici. S'il y a des murs dressés dans l'assemblée, quel que soit le réveil qui part d'ici, les murailles d'égoïsme vont rejeter le réveil. Donc premièrement, huile précieuse. Deuxièmement, rosée. Et ce sont les sujets de prière pour le mardi prochain. La rosée de Dieu. Nous sommes secs. Nous sommes desséchés. Nos âmes sont meurtries. Seigneur. Parce que nous voulons être maintenant les gens de ta famille. Alors, donne-nous la rosée de l'Hermon. Et troisième chose en fait, il nous dit, conclusion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Là où les gens demeurent ensemble.
pas physiquement ensemble comme ça. Pas ying pour attendre jour quoi. Aïe. Là où les gens se reconnaissent les uns les autres. Niba sakrim bangra to azar ne azar ton fa zakay ne. Là où les gens pourvoient aux besoins des uns des autres. Niba ntun yab tabun namara kenga tisongba. C'est facile pour Dieu de demeurer là-bas. Ya nana ne wona to sigim bebe. C'est facile pour Dieu d'envoyer la bénédiction la vie. Ya nana ne wona bol baraka la vie mato to sigim bebe. Boyinga. Seigneur, rends-moi prospère. Tu sabes quoi m'en pango. Chaque dimanche je fais la semence. Dimanche fam bouta me. Te rendra pas prospère. Moi, n'importe qui ne faut pas en parler. Si ta prospérité, ça ne faut pas en. C'est pour te conforter dans l'égoïsme. Y a un n'importe pas. Dieu ne met pas en pour mettre l'argent. Moi, n'importe pas. Compte sur Dieu. T'es un n'importe. Et même compte sur moi-même. Baba, mingé pour moi. Je prierai que Dieu ne te donne pas fille. Rien. Baba, mingé non, on n'a pas quoi fouille. Non. Arrêtez d'aller prier à gauche à droite. Pourquoi voilà Dieu donne. Si Dieu te donne ça, tu as déjà, tu le donnes. Faut un talent, faut quoi ta main. Nous avons prié pour des gens quand on commençait l'église ici. Les gens sont en ville aujourd'hui. Ils sont bien prospères. On a prié pour eux ici. Quand Dieu a commencé à les bénir, ils sont devenus riches. Est-ce qu'ils viennent à l'église même? On ne les voit plus. Après on s'est rendu compte que rendre les gens riches par la prière ne sert à rien s'ils ne s'occupent pas des autres. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est important. Ne demande pas à Dieu. Dis, donne-moi un cœur. Un cœur de donneur. Un cœur qui aime donner. Un cœur qui donne. Tout ce qui ne donne pas ne profite pas à la personne. Tout ce que tu donnes, c'est ça qui te profite. Tout ce que tu retiens, c'est le principe de Dieu. Tout ce que tu retiens, la connaissance que tu retiens, l'amour que tu retiens, se pollue. La miséricorde que tu retiens, se pollue. La compassion que tu retiens, se pollue. Et tu ne peux pas être utile. Alors bien mes frères et sœurs, comprenez, il faut arrêter d'être des théoriciens. Participer au culte du dimanche ne vous donnera rien si lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi vous rien, absolument rien. Vous mettez gaspiller votre temps. Commencez à pratiquer ces choses-là. On ne peut pas tout pratiquer. Qu'est-ce que vous savez que Dieu vous a donné? On est là depuis 2 semaines. Vous avez reçu? Chacun a reçu. Donné l'amour, la miséricorde, la compassion, le pardon, la réconciliation, la bénédiction, le soutien. Moral, donner, chercher des gens qui ont un besoin. Cherchez et vous trouverez autour de vous des personnes qui ont des besoins. Et pourvoyez à leurs besoins. On ne parle pas d'argent seulement. Allez s'asseoir sur cette femme-là qui souffre. Allez s'asseoir. Au lieu de raconter n'importe quoi. Conforter la personne. Un pasteur ne peut pas faire ça. Pasteur peut pas. Comment il va. Mais s'il fait ça, il ne peut plus prêcher. Ah, mais il n'y a pas l'air de faire un monde. Il dit, ah, mais si le pasteur. Pasteur, il peut faire ça là. Pasteur, il va. Quand même Jésus était sur la terre. Jésus, il était tout puissant. N'attends pas mais quand il était avec Pierre. Sans quelque part encore, c'est la limitation. C'est pourquoi il est venu par le Saint-Esprit. Pour que chacun d'entre nous maintenant, nous sommes des pasteurs. Tu es un pasteur d'en bas. Tu es des bergers. Pas un homme. Ce système-là est aboli il y a longtemps. C'est-à-dire que les ecclésiastes d'un côté et les laïcs de l'autre côté, ça, dans l'église, il n'y a pas ça. C'est une famille. Où nous avons un. Dans une famille, Zach Poumé, même si le papa est chef d'État, avec ses enfants, il est chef d'État. Avec sa femme, il est chef d'État. Il est mari. Il est papa. Aucun garde-corps ne peut empêcher son enfant de sauter sur ses pieds. Laissez vos titres de côté. Nous sommes dans une famille. Et nous devons reconnaître que celui-ci est mon frère. Celle-là est ma soeur. Allez vers lui ou elle. Mais quand vous êtes tous retranchés sur vous-même, chacun a ses problèmes. Chacun a ses problèmes. Si tu restes chacun dans chacun là, personne ne va t'aider. Les gens vous flattent de venir avoir prié. Si j'avais ce pouvoir, il y a longtemps, le Burkina aurait changé.
C'est-à-dire que je parle de la prière inutile. Mamgom la pose vilain. La prière qui est illusoire. Poseram belerne ban pan ko bafuya. C'est-à-dire que tu ne fais rien. Faut comment bafuya? Tu ne bénis personne. Tu ne faut pas que tu bénis ta soeur seulement. Faut une balance. Qu'est-ce que tu veux? Faut la tabaya. Je veux 10 millions. Nata million piga. Si on te donne les 10 millions là. 5 millions piga. Il y a 8 millions qui vont aller dans les inutilités. Million ni nan ke yel vil pourra. Inutilité. Yel vil pourquoi? Même ta famille n'en profitera pas. Bafouza kané panandé. À quoi bon rendre quelqu'un riche? Par la navre nette de quoi? Si aucun membre de sa famille. Hata zakané bay. N'en profite panandi. Ni ses parents n'en profitent. Alors panandi. Ni personne n'en profite. Nerbe panandi. Et même lui même n'en profite pas. Ni même pas que panandi ewa. Pas tout ce qu'il a acheté là c'est inutile. Voilà handatié ni te va les chaussures, les vestes, c'est inutile. Pas tanyo né même. Personne le reconnaît. Nerbe yé pas zakané. Il n'a pas monté l'amour à quelqu'un. A pas willing non le nerbe yé. Donc c'est pourquoi. Yané men kité. Dieu envoie la bénédiction dans sa famille, là où demeure, où les gens demeurent ensemble. Ne va sans pas ne t'avant sac ta mita les gens se reconnaissent les uns les autres. Ne va sans sac ta faire zakay ne va prendre soin des uns les autres. Sans guetta barbia zakay ne va, c'est important. Ne va pour faire cela. On va relire un passage que nous connaissons encore, que nous avons lu depuis 2 semaines. 1 Corinthiens 12. Dans le Corinthiens d'Ampila Yib, dans le Rancarmal. Regardons, Dieu décrit la famille. On l'a déjà vu dimanche passé et les autres mercredis. On va le reprendre encore. Génial, dimanche. Lola, Arbata, dans le Corinthiens chapitre 12. Et regardons ce que le Seigneur nous dit. Au verset 13. Bon, on va pas tout lire, mais je vais sauter quelques versets. C'est pour vous faire comprendre quelques éléments. Car comme le corps est, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Ton fagi le sar la ton ni sire impura pour former un seul corps. Tu ton nana ta ya yinga juif soit grec, tu ya esclave soit libre. Grec la maye moi nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. La sien un piton fa. Voici ce qui caractérise la famille de Dieu. Ade boni ngul do na mzaka ne tore. Voici ce qui caractérise les enfants de Dieu. Ade boni ngumbe ne wona mkwa. Voici ici encore. Ya pale ne kaisa. Baptisé dans un seul esprit. Ton fa li se sire impura et abreuvé du même esprit. Si ya ngamen le même piton. C'est ça qui fait de nous membres de la famille de Dieu. Et nous tous qui sommes ici, nous sommes censés être membres de la famille de Dieu si nous avons reçu Christ. Alors, regardons la suite maintenant. Il dit ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Mais le corps, c'est pas toi seul. Il n'est pas faux, viens quoi. Et pourquoi tu fais du nombrilisme? Pourquoi tu tournes tout sur toi-même, toi-même? On dit le corps n'est pas un seul membre. Même le corps là, c'est pas un seul membre. Même tu yinga, pas où il a yemre. Moi, tu faut vivre, tu veux faire tourne, faut vivre. Pourquoi tu veux tout tourner autour de toi? Y a même faudra tu bumbe faire, y a faut zougler dans guillemets. Tu veux que tout le monde te regarde toi? Faudra t'en y va faire get forward. Que tout le monde te satisfait toi. N'y va faire noir, faut son roi. Tout tourne sur toi. Bumbe faire guillemets, faut zougler. On te dit que le corps n'est pas un seul membre. Mais il faut t'yinga pas où il a yon quoi? Beaucoup de gens souffrent. N'y a besoin d'amadame. À cause de ça. Allez ne me yinga. Les maris souffrent. C'est le namada. Parce qu'il ne veut pas que on prenne soin des enfants. On parle de quoi là? La femme n'a rien. Par rapport à la il veut que tout soit sur lui. Faudra t'en bumbe faire yinga zougler. Tout, hein? Un mari comme ça, c'est là autour. Mais c'est terrible. Il y a Yelkaï. C'est un petit monstre. Il y a Bombambila. Non, N'gawa. Non, c'est pas amusement. Parlez-moi quoi? Tout est sur lui. Bombafa, il y a Yezou. Dans la maison, Zakapura. Tout doit être sur lui. Bombafa, c'est rien. Benjine Yezou. Que quelqu'un soit malade ou. N'y a pas il n'achète pas les médicaments. À papa. Dès que lui est malade. N'y a pas ça. Il achète les médicaments. Arada Tito. Sa femme est malade. Il ne fait rien. Comment va fui? Le corps n'est pas un seul membre. Il n'y a pas où il est. On ne peut pas dire famille avec un seul membre. Pas tu dis Zak Neba. Tu as dit pas de famille. En gros, Zak Neba. Il y a plusieurs membres. Y a tu n'aimes qu'à te gambé Zakapura. Il y a plusieurs membres. Y a n'aimes qu'à te gambé. Et c'est ça qui bloque la famille de Dieu sur la terre. Y a une guide de mon âme Zakatine juste pas yidigidi. C'est comme les familles. Il y a les familles quand vous entrez. Dès que vous rentrez à la porte, vous sentez la paix et la joie. Y a les familles, dès que vous entrez, c'est la tension. Vous sentez qu'il y a la tension dans l'air. Il y a ouais, le mari, la femme font l'hypocrite. Si là n'est pas lui, oui, chérie. Chérie.
Mais quand même, celui qui est là, il n'est pas bête, il voit qu'il y a l'attention. La rouning mbeka pa yala mo, yam la ne panga ne mo. Non, écoutez. Amen. Soyez sérieux. Amen. Ça ne vous sert à rien. Kalisi ne pas la fonne ba yé tenir manda. C'est pas pourquoi les gens veulent s'entêter. Mon ami bot ne va pas tenir sa menga mana. Les gens veulent s'entêter. Et en plus, ils sont chrétiens. Ils veulent s'entêter pour que tout tourne autour d'eux. Mais tu es un homme misérable. Tout sur toi. Mais pourquoi tu t'es marié? Pourquoi tu as mis au monde les enfants? Les enfants ont le droit de demander ça. Est-ce qu'on a demandé à venir dans le monde? Toi, tu nous as mis au monde. Tu ne prends pas soin de nous. Si ces enfants-là pleurent devant Dieu, tu as des problèmes. Faut t'arrêter la misère. Père, il viendra. Donc, apprends à reconnaître les membres de ta famille. Faut zaka neba. Reconnais-les. Maman, Maramba. Ne va pas acheter des bassins hors prix alors que tes enfants, tu regardes, ta fille n'a même pas une belle, un beau pain, tes enfants n'ont pas de bonnes chaussures. Pourquoi tu veux qu'on te regarde toi seul? À quoi ça te sert? Quand les gens sont te regardés, mais regarde cette femme-là, elle porte le bassin, regarde ses enfants. Ils t'insultent partout, c'est comme ça. Qu'on dise, ses enfants sont bien habillés. Comment il est fou, ça va? Mais c'est bon. Y a son macaï. Mais qu'on dise, qu'elle est bien habillée. Il regarde ses enfants. Regarde son mari. Quand tu vas chez lui, à la maison, il y a rien de bon. Bon sang, cabé. À quoi ça sert? N'a de foyer. Elle nettoie pas la maison. Elle ne va pas manger de rien. Pas de bafouisa kapoura. Bien aimés frères et sœurs, quand nous comprenons ces choses-là, Dieu va nous aider. Mais ne soyons pas des théoriciens qui aiment des théories. Comprenez ces choses-là. Au nom de Christ Jésus. Donc, rende. Tu comprends ces choses-là? Donc, et continuons ici. Qu'est-ce qu'il dit? Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? C'est-à-dire qu'aucun membre ne peut dire que lui n'est pas ça, donc il n'est pas du corps. C'est pas possible. Oui, il ne peut pas dire n'est pas non, ne ferme pas là-bas, puisqu'il y a des hangars. Soyez intelligents. Si ceux qui sont dans le hangar ne sont pas mouillés, vous ne serez pas mouillés. Si ceux qui sont dans le hangar ne sont pas mouillés, comment vous serez mouillés ici? Vraiment. L'intelligence là, il faut. Voilà. Ouvrez ça. Voilà. Les gens, ils rentrent dans les choses. Écoutez-moi. Quel rema? Ne nous laissons pas divertir par le vent et la pluie. Et d'abord, c'est vrai, ça a ramené le diamant. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tu es oreille, si tu es pied, tu ne peux pas dire que le bras là, tu ne prends pas soin de lui. J'espère que vous comprenez ce que Dieu veut nous dire ce matin. Est-ce que nous comprenons exactement? C'est pour venir écouter un orateur et entendre quelques paroles de partir. Vraiment, votre présence ici n'a pas de sens. Mais si c'est pour capter la parole de Dieu pour votre vie, ce qui peut vous être profitable de façon pratique, pour que votre vie change, il n'y a pas de problème. Si tout le corps était œil, où serait lui? Si toi tu dis que tout est toi, et les autres, comment tu vas entendre? Si tout le corps était c'était l'œil, comment tu vas entendre? Comment tu vas marcher? Comment tu vas manger?
tu te coupes des autres inutilement. Si tu ne reconnais pas, si mon oreille ne reconnaît pas mes yeux, ne reconnaît pas ma bouche, ne reconnaît pas mes bras, l'oreille ne peut pas vivre sans les autres. Mais pourquoi y a développé un minimum d'intelligence? Mais est-ce, je pose la question. Si le Jésus venait ici, et vous êtes une oreille, vous ne voulez pas reconnaître les autres. Et vous dites à Jésus, donne-moi d'être puissant. Jésus va te dire, si l'oreille est toute seule, elle n'est pas collée à la tête là, elle est utile. Déjà frère, refuser d'être égoïste. Qui est-ce qui est? L'oreille est collée à la tête. Tu vois un tableau sur le kawan. Quelle que soit la position que Dieu vous a donnée dans le corps de Christ. Bah oui, namun koyem yarzine l'église famille. Sans y avoir d'organes, mais y avoir namza kapura. C'est pourquoi je prends le temps pour vous regarder, pour voir ce que Dieu vous avez besoin. Je peux venir prêcher, partir. Pourquoi je mets du temps dans la présence de Dieu? Si c'est les discours là, je peux faire des discours, venir m'arrêter en 30 minutes les données. Parce que moi, je suis un membre. Les autres membres, je veux les bénir. Je veux les bénir. Il faut d'abord que je sache quels sont les besoins. Mais comme ils sont nombreux, moi je ne sais pas. Je m'en vais devant Dieu. Je me prosterne devant Dieu. Je me genou devant Dieu. Et je demande à Dieu. Je ne connais pas tes enfants. Je sais qu'ils sont mes frères. Ils sont mes sœurs. Mais aide-moi à mettre dans ma bouche des paroles pour chacun. Même si c'est une seule phrase que chacun va retenir, qu'il retienne ça pour lui. Et qu'il parte avec une seule phrase. C'est ça que je fais. C'est pas autre chose. Et quand je prêche, en même temps, j'écoute le Saint-Esprit. Qui me dit non, laisse tomber cette direction-là. Et je vous regarde. Et c'est comme si je vois votre problème. Alors, il me dit, reste un peu sur ce problème-là. Parce que cette femme-là, on doit résoudre son problème. Parce que demain, après-demain, ça peut être trop tard pour elle. Voici comment je fais. C'est pourquoi je m'arrête. Je vous regarde. C'est pourquoi je vous regarde, même vous qui êtes loin. Parce qu'il n'y a pas de distance en esprit. C'est pour vous aider simplement. D'abord, je vous reconnais comme membre du corps. Et si moi, je ne vous aide pas, vous ne pourrez pas m'aider. Nous avons reçu un don pour l'utilité commune. J'ai prié ce matin, j'ai dit, Seigneur, peut-être ils ont oublié ce qu'on leur a enseigné. Est-ce que cette multitude qui va venir là, est-ce qu'ils ont prié en venant ce matin ici? Est-ce qu'ils ont dit à Dieu, Seigneur, je m'en vais comme un membre du corps. J'ai reçu un don. Je vais être utile ce matin. Ou bien ils vont continuer la même tradition. Qu'est-ce que le pasteur a pour nous? Même si le pasteur a quelque chose pour vous, si toi tu n'as rien pour les autres, à quoi ça te sert? Supposons que moi j'ai tout pour toi, et que toi tu n'as rien pour les autres. Mais ce matin, même si c'est 5 minutes, tu devais être à genoux. Père, merci. Tu m'as placé dans le corps. Je vous ai dit ça dimanche, mercredi. Beaucoup de gens ne viennent pas mercredi. Donc, ils prennent les messages du dimanche. Parfois, c'est la moitié du message. Donc, et puis, mardi. Donc, si tu ne pries pas comme ça, pour être utile, et tu viens, tu vas recevoir un message. Mais tout ce qui n'est pas mis en pratique est oublié. Tu le sais? Tu as fait 6 années d'école primaire. Tu as fait 6 ans de collège. Tu as fait peut-être 6 ans d'université. 20 ans. Réfléchis ce que tu as retenu aujourd'hui. Assois-toi et commence à me dire tout ce que tu as appris. Tu as tout oublié. Sauf ce qui a été pratiqué. Ce qui a été pratiqué là, c'est ça qui est resté en toi. Tu
Tu peux me réciter tes récitations là. Faut Mais si tu pratiquais cette récitation tous les jours, tu vas voir que ça va rester. Tout ce qui n'est pas pratiqué ne reste pas. Je vous en supplie, le peu que vous entendez là, prenez ça, allez l'appliquer. Et la semaine prochaine, appliquez autre chose et commencez à vivre ça. Vous allez vous rendre compte que vous allez grandir. Frère, sans ça, vous allez rester théorique. Dieu ne viendra pas poser des choses en vous si vous refusez d'appliquer. Donc, vous voyez là, le psaume 133, la famille de Dieu, et 1 Corinthiens 12, là, on l'a déjà lu. On ne va pas tout lire. Comment tu peux tout lire pour continuer? Il est dit que je te lis deux ou trois versets pour terminer. Il dit, verset 24. Tandis que ceux, les membres qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. La willness est à vous pour la tête. Allons au verset 22. Mais bien plus tôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Les frères qui sont les plus faibles. Ce sont eux qui sont. Dieu te dit qu'ils sont nécessaires. Ils sont nécessaires. Mais il y a une logique bizarre dans le corps de Christ. Plus quelqu'un est faible, plus on a tendance à rejeter la personne. Alors, si tu as écouté le message à la télé, les points faibles, les faiblesses de chacun a un point faible. Alors, si nous voulons nous rejeter les uns sous nos points faibles, qui va être ici? La salle, c'est là quoi? Il y aura quelqu'un ici? Même sur la chaise, il y aura quelqu'un? Il y aura un prédicateur? Il dit même, les membres les plus faibles sont nécessaires. C'est Dieu qui le dit. Je n'ai pas le droit en tant que pasteur pour dire aux membres faibles là que tu es inutile. Alors je contredis Dieu. Arrêtez. Si on voit la faiblesse d'un frère, on dit que les membres forts font quoi? Ils viennent aider les faibles. Si vous pensez que cette personne est faible, priez pour elle. Priez aussi. Hein? Et si Dieu vous envoie vers elle, allez-y la voir dans l'amour. Mais ça ne vous sert à rien de vous asseoir et de mordre ce membre faible-là. Je vous parle, quand vous levez, vous sortez, vous faites le contraire. Mais si vous mordez les gens vont faire quoi pour vous? Vous serez quoi? La Bible dit, si vous mordez, vous serez mordu. Si vous donnez, on vous donnera. Si vous retenez, on retiendra. Mais tant que vous n'allez pas accepter et de mettre en pratique ces choses-là, vous pouvez discuter, vous pouvez discuter avec vos frères, vous pouvez discuter avec vos soeurs, vous pouvez parler. Critiquer. Ça ne vous servira de rien. Absolument rien. Et ceux qui sont actuellement, qui nous regardent, vous êtes concernés de la même chose. Deuxième chose, après que nous devons demeurer ensemble en appliquant la loi de la reconnaissance des membres, il dit si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Tu as entendu? Mes frères la souffrent. Dieu dit. Les frères la souffrent. Et donc, tu ne souffres pas. Ah, non, c'était le frère là. Tu dis, ah bon? Donc, toi, tu es un membre indépendant. Tu as entendu? Ça fait 3 mois que la soeur la souffre. Et après? Mais tu ne sais pas que sa souffrance se répercute sur toi. Quelqu'un a déjà eu des maux de pied et sa bouche a continué à faire ce qu'elle veut, aller partout. Mais
C'est ça. Voici un homme qui est en bonne santé. Il vient se casser les pieds. Est-ce qu'il peut aller quelque part? Est-ce que les bras disent nous sommes en bonne santé? Mais c'est le pied là. Non, mais le pied dira ok. Bon, comme vous croyez que moi je suis mauvais là, allez-y. Mais il prend, allez-y. Est-ce que les bras peuvent aller? Comme ça, je voudrais vous interpeller. Non, on va être vous comprenez ces choses. C'est bon. Ce sont les vérités que les églises, l'église a laissé tomber dans le monde. Il y a Sida, Christianer, Mbarté, lui, tu n'y as plus. Les choses, on fait non. Il y a la reconnaissance. Sakim Bangeta, membre. Oui, l'aimerait. Vous sera profitable. Si vous refusez de reconnaître un membre, oui, l'aimerait. C'est difficile pour vous. Il y a tourné Yamba. Si un membre souffre, oui, les tout le corps souffre. Tout le corps souffre. Si un membre est honoré, oui, tout le membre se réjouit avec lui. Oui, vous êtes le corps de Christ, Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alors, après, on avance. L'église locale, une famille, nous disons. En quoi elle est une famille? Regardons la famille de Dieu. Quand elle demeure ensemble, quand elle a commencé dans Acte 2. Regardons la famille de Dieu quand elle a commencé. Dans Acte 2, verset 41. 41. Jusqu'à 47. Je vais simplement lire sans trop commenter. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils étaient combien avant? Ils étaient combien? 120. Maintenant, ils sont combien? 3120. Regardez maintenant. 3120. Qu'est-ce qu'ils faisaient? La famille de Dieu. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, les apôtres faisaient quoi? Les apôtres enseignaient. Est-ce les apôtres qui faisaient les visites? Les apôtres qui allaient en prison, les apôtres qui allaient donc à l'hôpital, non, les apôtres enseignaient. C'était leur rôle dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain. L'église persévérait et dans les prières. L'église persévérait. La crainte, quand l'église fait cela, quand l'église persévère dans la fraction, dans la sainte scène, dans les prières, dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres, regardez les résultats. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de produits et de miracles par les apôtres. Les miracles se passaient quand l'assemblée faisait quoi? Communion fraternelle, persévérer dans la prière. Si l'assemblée ne fait pas ça, il n'y a pas de miracles chez les apôtres. Les gens vous ont flatté pour vous dire qu'ils peuvent faire des miracles sans vous. Ce n'est pas vrai, c'est du mensonge. Jésus même ne peut pas le faire. Il est soumis à ça lui-même. Jésus même est corps. Jésus lui-même. Jésus même, oui. Il n'a pas commencé son ministère seul. Jamais. Avant de commencer son ministère, il y avait déjà des disciples autour de lui. Il s'est préoccupé d'avoir le corps. Lui est la tête. Il a d'abord réuni le corps. Ils sont pas nés de nouveau, mais ils étaient réunis. Et il allait avec eux. Il avait besoin d'eux. Pour entrer chez Jairus. Il avait besoin de trois disciples pour l'accompagner. À Gethsémané. Il a eu besoin de trois disciples pour l'accompagner. Notre Seigneur nous a montré que l'interdépendance est importante. Lui-même qui est fille de Dieu n'a pas travaillé comme ça en faisant ce qu'il veut. Il était lié au corps. Même si le corps n'était pas encore réel. Alors frère, comment voulez-vous qu'une assemblée comme ça, un pasteur ou deux pasteurs vont faire mouvoir l'assemblée? C'est pas vrai. 3120 sont là. Lis la suite des versets. La tous suite. Ceux qui croyaient, voilà, étaient maintenant dans le même lieu. Ah. Et ils avaient tout en commun. Alors, il est dans Psaume 133, il dit demeurer quoi? Bon, l'église primitive, ils font quoi? Ils sont en train de faire quoi? Demeurer ensemble. Continue.
Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Vous entendez? Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Tout le peuple, même les païens les admiraient. Quelque chose de nouveau se passait sous leurs yeux. Le judaïsme amené par Moïse ne pouvait pas faire ça. Moïse n'a jamais pu rassembler ces gens comme ça. C'était la bagarre tout le temps. Il n'y avait pas d'amour dans la famille de Moïse. Il y avait des commandements, des ordres. Ici, on voit l'amour. Jésus, il est l'amour incarné. Et le Saint-Esprit, là où il est, il amène l'amour. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit et dire que vous n'avez pas l'amour. Vous demandez quel amour? Celui qui est amour est déjà il a répandu son amour en vous. Mais regardez l'église primitive. Là. C'est Pierre qui leur a dit de partager leurs biens. Pierre leur a enseigné la loi de semer et récolter. A Pierre Samson avait beau de la quinze. Non. Aïe. Est-ce qu'il leur a semé la, il leur a parlé de la dîme des offrandes? A Pierre quoi on est pipe là qu'on y est là. Aïe. Dès que le Saint-Esprit est venu, si ils ont quoi? Et qu'ils ont écouté, tout de suite ils se sont connectés. Ils ont réalisé. Voilà, ils ont réalisé en eux. Ils ont commencé à manifester. Si on est mandé. Donc ils ont su qu'ils sont devenus maintenant frères et sœurs. Oui. Ou non? Zakaï ne va pas lui appeler un tabac. Mais vous ne voyez pas les petits enfants à la maison? Un enfant de 3 ans. Ta petite soeur d'un an là. C'est un problème qu'il fait. Il court pour l'entourer. Ils savent qu'il comprend pas beaucoup de choses. Mais il comprend. Mais quand ils arrivent, ils sont barbus, son petit frère a quelque chose. Il a 35 ans, son petit frère a 25 ans. S'il y a un problème, il dit il est là. Souvent nous sommes comme ça. Nous avons grandi et laissé l'amour de Dieu derrière. On n'a pas grandi avec l'amour. On a cru que l'amour c'est la faiblesse. On a cru que l'amour c'est pas important. Donc maintenant, on a la puissance. Mais la puissance sans amour, ça n'a pas de sens. Alors frère, regardez l'église. Le psaume 133 devant vous. Ils sont encore la pitié. Le psaume 133 devant vous. Ils sont encore la pitié. Pourtant, le jour de la Pentecôte, et les autres jours, Pierre n'a pas prêché cela. Pierre, continuons. L'église locale, famille. Regardons-la comme famille toujours. L'église famille et l'église locale famille étaient une famille d'adorateurs. Une famille d'adorateurs. Pour voir cela, regardons dans 2 Chroniques, Chroniques 5, verset 13 à 20 et à 14. 13 et 14. 2 Chroniques 5. Chapitre nous. 2 Chroniques 5. Versets 13 et 14. Verset pile à temps, l'église locale, une famille d'adorateurs. Jésus l'a dit à la Samaritaine. Jésus la Samaritaine. Et Dieu à la recherche des disciples adorateurs. D'hommes et de femmes qui vont adorer en esprit et en vérité. Donc, si on a trouvé 2 Chroniques 5, versets 13 et 14, rapidement. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel, firent retentir leurs trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu.
La maison de Dieu, c'est qui aujourd'hui? C'est toi. C'est pas ça, hein? Ça, c'est la maison de l'église. L'église est réunie ici. Dieu n'habite plus ici. Dieu a quitté les maisons il y a longtemps. Dieu a fait de toi maison de Dieu. Et alors, regardez ici, la bonne, il y a deux groupes. Là, il y avait les sacrificateurs, il y avait les pasteurs, les évangélistes. Ils devaient entrer dans le temple pour célébrer. Alors, ils ont d'abord envoyé les Lévites, donc le peuple de Dieu. Et les Lévites étaient tellement préparés que, sachant que eux, ils sont un peuple mis à part, ils ont compris que par l'adoration et dans le psaume 22, verset 2, que Dieu habite dans la louange de son peuple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis l'accent sur l'adoration de Dieu lui-même. Ils ont commencé à l'adorer. Ils l'ont adoré. Et ils ont choisi des mots car il est bon. Et sa miséricorde dure à toujours. Ils n'ont pas demandé des choses pour eux. Ils ont adoré Dieu. Ils l'ont exalté. Ils l'ont célébré. Ils l'ont béni. Et c'est dans ça. Au moment où ils faisaient ça, ils étaient désintéressés. Ils n'ont pas fait ça pour que Dieu les bénissent. Ils n'avaient pas de pensée que Dieu doit les bénir parce qu'ils adorent Dieu. Et l'adorateur n'attend rien d'autre que la gloire de Dieu. Un adorateur n'adore pas en échange de quelque chose. Un adorateur élève le Seigneur. Il veut que le Seigneur soit élevé, que le monde satanique voit que eux ils sont adorateurs de Dieu. L'église locale doit être d'abord une famille d'adorateurs. Une famille d'adorateurs. L'église locale a pour rôle d'adorer son Dieu. En chaque circonstance, élever la voix, adorer d'abord Dieu. Se prosterner dans sa présence, proskuneo. Frères et sœurs, ça c'est important. Car lorsque l'homme se couche dans la présence de Dieu, c'est un abandon total à Dieu. Il reconnaît que Dieu est Seigneur de sa vie. Et quand ils ont fait cela, la gloire de Dieu est descendue. Les sacrificateurs sont venus pour faire le service, ils n'ont pas pu rentrer. L'homme n'a plus sa place là où la gloire de Dieu descend. Alors, église locale du TBI, si vous n'apprenez pas à être des adorateurs, Jésus l'a dit à la Samaritaine, Dieu est à la recherche des hommes et des femmes qui vont être des adorateurs. Avant de quitter, de demander quelque chose à Dieu, soyez d'abord adorateur de Dieu. Regardez dans les maisons d'idoles. Si vous allez dans beaucoup de pays dont je ne vais pas citer le nom, les gens mettent une statue là, se prosternent et sont devant la statue, les yeux fermés, se prosternent pendant des heures. Se prosterne face contre le sol. Allez partout. Pourquoi? Parce qu'il croit que c'est un Dieu. Et c'est pourquoi il l'adore. Mais le peuple de Dieu, qui a le vrai Dieu, et c'est lui qui ne l'adore pas. Quel est le temps d'adoration dans ta maison? La proclamation a son temps. On va le voir, on est dans la prière. Mais la prière commence d'abord par l'adoration. La prière ne commence pas par la proclamation. Toi, tu n'adores pas Dieu, tu veux proclamer. Dieu va réaliser ta proclamation. C'est toi qui le commandes.
Il y a des gens qui n'aiment pas l'adoration. Il n'y a même pas non, mais tout le temps qu'on sort. Il y a quoi? Je sais pas. Tu peux faire quoi en proclamant? Ça va arriver tout à l'heure là. C'est l'adoration. L'adoration tout le temps. Adorer Dieu. Adorer son caractère, c'est-à-dire élever Dieu pour ce qu'il est. Les féticheurs là, va les écouter quand ils parlent à leurs idoles. Tu es étonné. Ils vont parler de la statue là. Comme si tu vas demander est-ce qu'il y a quelqu'un de vivant ici? Tu ne connais pas ta Bible. Prends les éléments dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, tout ce qui concerne Dieu là. Tu vas relever, tu vas voir qui est Dieu. Et quand tu vas l'adorer, prends ces choses là, adore-le avec ça. Dis-lui qu'il n'y a pas de Dieu semblable en lui. Dis-lui qu'il est mieux que toutes les idoles. Que le seul vrai Dieu vivant, c'est celui devant lequel tu es. Ne demande pas quelque chose. Donc, l'église locale est d'abord une famille d'adorateurs. Ensuite, l'église locale est une famille maintenant d'intercesseurs. On ne peut pas mettre l'intercession avant l'adoration. Est une famille d'intercesseurs. Un homme qui a appris à adorer Dieu le connaît, l'a tellement exalté. Quand il va prier là, il ne va pas prier des prières égoïstes. Il ne va pas demander Dieu fais ceci, donne-moi cela. Non. Il a pu adorer Dieu et à l'exalter, à le magnifier. Maintenant, il sait que la prière d'intercession est importante. Ça, il sait qu'il y a un combat qui est là. Et comme il a adoré le Dieu qui répond à la prière, alors il va commencer à se rendre compte que lui-même doit prier. Dans Luc 21:36, et il va commencer à comprendre. Et Jésus a mis l'accent sur l'intercession, la prière maintenant. Il va entrer dans l'esprit de prière. Parce que tout adorateur doit finir par l'esprit d'intercession. Luc 21:36, je te le lis. Jésus dit, veillez donc et priez en tout temps. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Un bon adorateur sera un bon intercesseur. Un homme qui a appris à adorer Dieu pour ce qu'il est. Il va se tenir à la présence de Dieu pour veiller et prier. Parce que l'adorateur aime d'abord Dieu. La caractéristique principale de l'adorateur, c'est qu'il aime Dieu. Quand il a fini d'adorer Dieu, il se tient dans la même présence maintenant et il commence à veiller et prier. Il prend position devant les situations parce que Dieu est avec lui maintenant. Il sait que le Dieu qu'il a adoré est avec lui et il commence à prendre position parce qu'il sait que les tentations sont nombreuses. Il commence à comprendre les paroles du Seigneur. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Il n'a pas dit que tu n'as qu'à faire prier pour toi. Toi-même, tu dois veiller et prier. C'est toi qui vas tomber dans la tentation, c'est pas quelqu'un d'autre. Un pasteur ne pas prier pour une chrétienne pour qu'il ne tombe pas dans la tentation, ce n'est pas possible. Pasteur va pousser un chrétien pour qu'il ne tombe pas dans la tentation. Dans l'intention générale, on le fait. Chaque matin, tu dois veiller sur toi. Tu dois prier Dieu. Les tentations sont nombreuses.
Seigneur. Zisoba. Les convoitises m'entourent. Partout. Zigafa. Mes cinq sens, ma chère. Même yinga wumanua. Regarde autour de moi. Gesse ngubugumama. Mes cinq sens sont attirés à gauche à droite. Même yinga wumanua taka na gwa de vina na gwa devant toi, je veux veiller Seigneur. Lambe yam taure mna ngusa menga. Je délivre mes cinq sens. Ndigida wumanua kote yamba. Je délivre ce qu'on appelle la chair, mes cinq sens. Ndigida mponte mam yinga wumanua kote la yamba. Afin que dans cette journée là. Nete dara torka. Comme tu l'as dit dans notre père. Ouais, mais ton ba, mais ça je ne tombe pas en tentation. Mam dawa lui kui bon que le malin ne prévale pas sur si moi. Que le malin s'éloigne de moi. Que les tentations au bureau, partout, s'éloigne de moi. Si toi te lèves le matin, tu n'as pas adoré Dieu, tu n'as pas prié Dieu, ma fille, sois sûr que le soir, c'est les larmes qui vont couler. Sois sûr que tu vas te coucher sur un lit de douleur. Ça sera trop tard. La prière qu'on va faire pour toi plus tard, là, trop tard. Il y a deux sortes de prières. Les prières qui vous permettent de résister. Et les prières qui vont vous calmer, mais c'est que le mal est déjà fait. Quand le mal est déjà fait, les prières qu'on va faire, là, ça ne peut pas enlever le mal. Ça peut vous apaiser. Donc Jésus dit, afin que vous ne tombiez pas, veillez et priez. Donc Jésus dit, la prière peut me garder pour que je ne tombe pas. Alors frère, écoutez-moi, on n'a pas de la prière de quelqu'un. Eux-mêmes, c'est la première chose. La famille, l'église famille locale, famille de Dieu, chacun individuellement doit prier chez lui. Chacun doit prier pour que Dieu le garde. Tout commence par là. Toi-même tu dois prier avant de venir ici. Tu as déjà prié chez toi. Tu as remis tes tentations. Tu as remis tes situations avant de sortir, avant de venir là, dans la famille de Dieu. Et regardons d'autres choses toujours dans la famille intercesseur. Regardons dans Acte 1, verset 12. L'église locale a commencé par l'intercession, par la prière. Acte 1, verset 12. Alors, les douze retournaient à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers. Qui est près de Jérusalem. À la distance d'un chemin de sabbat. Quand les douze furent arrivés, et les autres, ils montaient dans la chambre haute. Où ils se tenaient d'ordinaire. On cite leur nom. Verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la danse. Ça ou pourra. Ah bon? Yeah. C'est pas dans la danse. Pas ça ou pourra. J'ai su. Il m'y viendra. Dans quoi? Moi pourra. Dans la prière. Pour ça pourra. Avec les femmes. Ne parle pas quoi. Et Marie. Ne Marie. Mère de Jésus. Ah, Jésus et avec les frères de Jésus. Ne Jésus y a pas. Ah. Uh-huh. Il est dit. J'étais environ 120 le verset qui suit. Tu vois la table, ne vous comprenez plus le verset ni comme pour autant. L'église locale est née à travers quoi? À travers la prière même de ceux qui n'étaient pas encore nés de nouveau. Ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Mais Dieu ne les a pas dispensés la prière. Dieu n'a pas dit, bon, attendez, comme vous n'êtes pas encore nés de nouveau. Et là, le jour de la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas le jour du Saint-Esprit. Pentecôte pas si son rare. Le jour de la Pentecôte. Pentecôte rare, ouais. C'est pas ça que Jésus a prévu. Là, Jésus écoutez-moi, c'est une parenthèse que je fais rapidement. Nous avons usurpé des noms qui ne marchent pas. Pentecôte veut dire 50. C'est une fête des Juifs. Il y a Juifs dans ma tigre. Cette fête-là, qu'est-ce que les Juifs faisaient? C'était une fête de quoi? Qu'est-ce qui caractérise Pentecôte? Les récoltes, oui, les choses, c'est ça. Ok. Bon, écoutez-moi maintenant. Est-ce que quand le Saint-Esprit est descendu, il y avait récolte? Si ils ont un cigare, alors pourquoi les gens sont appelés pentecôtistes? Je vais t'expliquer maintenant. Le jour de la Pentecôte, là. Pentecôte à Dara.
les disciples et ils priaient. Est-ce qu'ils priaient pour la Pentecôte? Puisque la Pentecôte est là depuis combien d'années? Pentecôte est 5000 ans. Avec Moïse. Moïse. Ils priaient pour la Pentecôte? Voilà pour la Pentecôte. Ah, priaient pour ça. Voilà pour la Pentecôte. Non. Ayo. Il priait pour la venue du Saint-Esprit. Mais là, à ce moment-là, les pentecôtistes étaient dans la ville déjà. Les pentecôtistes, c'est qui? Tous les juifs qui sont venus de tout le monde entier. Juifs from here to there, les pentecôtistes. Bam la pentecôte n'est pas. Non, écoute-moi, c'est les pentecôtistes. Oui, ils sont venus fêter leur fête, oui ou non? Écoute-moi maintenant. C'est pourquoi les dénominations là ont des problèmes. Ils étaient en train de fêter en bas. Est-ce que toute l'église est tombée dans l'erreur? On dit pentecôtiste. Est-ce qu'ils fêtaient Jésus? Hein? Ces gens qui étaient en bas là, ils combattaient au contre qui? Ils fêtaient qui? Qui? Moïse, oui ou non? Moïse, oui. Ceux qui étaient en bas là, ceux qui étaient en train de fêter Moïse, ceux qui étaient en haut là, fêtaient qui? Jésus. Jésus. Bon, ceux qui étaient en bas étaient quoi? Pentecôtistes. Ceux qui étaient en haut étaient quoi? Disciples de Jésus. Maintenant, écoute-moi. Ceux qui étaient en bas priaient pour la venue du Saint-Esprit. Alors, pourquoi vous dites que le Saint-Esprit Pentecôte est lié? Est-ce qu'il priait pour la... Si on n'est pas les Juifs la prière pour la venue du Saint-Esprit. Si on n'est pas pour la venue du Mais les 120 là, la est-ce qu'ils priaient pour la Pentecôte aussi? Ils priaient uniquement pour quoi? Que le Saint-Esprit. Si maintenant, quand le Saint-Esprit est descendu, si on il est descendu sur les Pentecôtistes. Il est descendu sur qui? Siga Kanjougou. Les 120. Comment la piste est-ce que les 120 étaient pentecôtistes? Comment la piste est-ce que les 120 étaient là? Ah, écoutez. Quel rien? Il y a des vérités si vous nous prenez la parole. Mais quand vous dites ça, vous allez affronter tout le mouvement évangélique pentecôtiste. Ils vont croire que vous les attaquez. Ils vont croire que vous les attaquez. Les disciples sont descendus. Écoutez-moi. Quand ils ont prêché, parmi ces pentecôtistes-là, combien de personnes sont devenues disciples de Jésus? Quand ils sont devenus 3000 là, ils ont quitté le milieu de qui? Ils sont devenus maintenant disciples de qui? Et les pentecôtistes ont continué, oui ou non? Et les pentecôtistes vont commencer à faire quoi? À persécuter les disciples de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui encore, tout ce qui est pentecôtisant là, c'est dangereux. Je n'attaque pas une dénomination. Pardonne-moi. Pentecôte ne veut pas du Saint-Esprit. Pentecôte veut dire que c'est la fête des mois. Tu es pentecôtiste, bonne chance. Voilà, il faut que Pentecôte n'est pas le même jour. Vous m'avez entendu parler, quand je parle d'ici, je dis parle quoi? Pentecôtisant. Pentecôtisant. Tu m'as déjà entendu qu'on est pentecôtiste? Vous avez même entendu la Pentecôte n'est pas. Je ne parle pas de dénomination. Je parle de la Bible. Les gens qui ne priaient pas, les pentecôtistes ne priaient pas pour le Saint-Esprit. Je ne priais pas pour le Saint-Esprit. Pas pour le Saint-Esprit. Mano, ils priaient pour le Saint-Esprit. Je ne pour le Saint-Esprit. Ils priaient, ils étaient venus pour leur fête, oui ou non? Bah, mais ouais, maintenant, ils dansaient pour la Pentecôte. Bah, d'assaut, la Pentecôte, yinga. Écoute, frère. Quelle est la mabiga? Allons rapidement. Et quand t'attends, que tu comprennes. Tu veux m'avoir ça, ma? Tu vois? Faut pas n'est. Et ils ont prié. Bah, pour ça. Là, ils ont continué. Après, quelqu'un a taulé. Le Saint-Esprit est descendu. Si ils sont sigamé. Qu'est-ce qui a fait descendre le Saint-Esprit? Là, ils sont sig, si ils sont là. Leur prière, il dit, ils ont prié d'un commun. D'accord. Il y a pour eux de venir à table pour ne jamais y être, ratmaillé, souriant. Psaume 133 encore. Il se met comme la pile à tailler ça. Là où on demeure ensemble. Ton homme parle, ne t'abra pas y pour. C'est là que l'huile précieuse vient. De la casson à poudre d'a. L'huile précieuse ne vient pas sur ceux qui sont. Ceux qui étaient en bas là, il y avait la cacophonie. On a même tiens là, il y a Zungulubala. Il y avait des juifs venant des prosélytes venant de Libye, certains des sirènes, les juifs de tout le monde entier réunis en bas. Le ticket table tingra.
et il parlait cacophonie. Mais quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, une seule langue, la langue du Saint-Esprit. Et quand ils sont descendus, ils ont continué à parler cette langue-là. Le Saint-Esprit a pris cette langue-là, a interprété lui-même dans les oreilles de tous les Juifs-là. Nous devons comprendre ces vérités. Ça, c'est l'église locale en prière. Écoutez, TBI. Si tu ne t'intéresses pas à la prière de l'église locale, si toi tu dis que cette église-là est ton église locale, la vie de prière de l'église locale ne t'intéresse aucunement. Tu es hors sujet. Les gens de la prière sont assis chez toi. Je te pose la question. Est-ce que l'église primitive, est-ce qu'on aurait entendu l'évangile au Burkina Faso s'il n'avait pas prié? Est-ce qu'on aurait entendu l'évangile ici? C'est pas l'église primitive a prié. Et quand il priait, tu as commencé à agir. Alors frères et sœurs, je te parle sérieusement. Tu sais pourquoi tu ne bénéficies pas de beaucoup de choses? Parce que la vie de la famille ne t'intéresse pas. Même dans ce monde-là, parfois on dit, tu vois cet homme-là, la vie de famille ne l'intéresse pas. Quand le père convoque une réunion de famille, ça ne l'intéresse pas. Quand maintenant il est ailleurs, il a sa famille, il a sa femme, ses enfants, il va rarement aux réunions de famille. Ses parents ont le cœur gâché. Il est devenu tellement indépendant qu'il a oublié qu'il vient d'une famille. C'est la même chose, frère et soeur. Venir à l'église, c'est bon. Mais au moment où l'église locale, la famille de Dieu est en train de prier, de s'humilier, toi qui es en ville, tu n'as rien à faire, faut pas même si tu as quelque chose à faire, quand tu as des problèmes personnels, ferme ton bureau, tu vas là-bas. Alors, je pose la question. Comment veux-tu quand Dieu va bénir la famille? Et que tu es en dehors. Tu veux pas bébé. Tu vas faire comme Thomas. Quand Jésus est venu, il était absent. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais cru que la famille la peut résister. Pour lui, la mort de Jésus était la défaite de la famille. La famille n'était plus importante. Et il a commencé à faire ses propres affaires. Le Jésus a apparu. Le jour prévu par lui, Thomas n'était pas là. Fais attention. L'église locale, ce n'est pas une réunion de gens qui sont venus là. C'est une famille. Il y a Zaka et une famille. Si toi tu ne préoccupes pas de la famille, Zaka et pas alors frère, c'est un problème. Il y a Yélé. C'est un problème. Il y a Yélé. Je ne sais pas si vous allez saisir ça une fois. Et vous allez comprendre ces vérités là. Alors, si vous ne comprenez pas ça, c'est simplement le dimanche. Je me demande si vous serez aidé. Honnêtement, je ne crois pas que le message du dimanche peut vous aider. Non, frère, ne commencez pas. C'est de vous courir trop. Vous courez trop. Là, vous ne pouvez pas courir. Vous me voyez là, je cours où? Quand même j'étais chrétien comme vous, je n'ai jamais couru chercher les prophètes. C'est Dieu qui m'a appelé là. Quand il m'a appelé, qui a proposé qui m'appelle? Quand Dieu est venu chez moi là, c'est un prophète qui a dit que Dieu va venir chez moi. Mais il faut ça. Je me suis attaché à Dieu. Jeune chrétien et étudiant, je me suis attaché à Dieu avec mes faiblesses. Je n'ai jamais manqué une réunion d'église sauf quand j'ai voyagé une fois de Toulouse aller à Paris. Dans le froid, dans la neige, c'est à l'église. Les réunions de jeunes. Non, jeûne et prière. J'étais là-bas. J'étais étudiant. Mais je cours, j'étais à 13h qu'on priait. J'étais à l'université, je viens prier. Je cours au cours encore. Et le soir à 18h30, je viens prier. Alors, quand Dieu voulait prendre quelqu'un pour le servir, il m'a pris. Non,
C'est pour toi que je parle. Quand Dieu aura besoin de quelqu'un, il dit, mais cette femme-là ne prie jamais. Elle ne va jamais à la réunion de prière. Quand la famille se réunit, elle a autre chose à faire. Elle est à gauche, à droite. On ne peut pas l'utiliser. La famille. L'église locale, une famille d'intercesseurs. Une famille d'intercesseurs. L'église locale sait. Quand on a arrêté Pierre et Jean. Et qu'on a maltraité Pierre et Jean. L'église locale a compris. Que ceux et ne priaient pas. Il y aura des problèmes. Il est dit que quand, et dans Acte 4, on ne va pas le lire, on l'a déjà tellement lu. Tout le monde n'a pas dans le verset 23. Donc jusqu'à 31. Il est dit quand ils ont, et Pierre et Jean ont été relâchés. En ce temps, l'église était à 8120. Il y a 5000 personnes qui s'étaient ajoutées. 8120. Regardez les gens qui partent prier matin, midi, soir. Vous croyez qu'il n'a pas de travail? Vous croyez qu'il n'a pas de famille personnelle? Vous croyez qu'il n'était pas occupé comme nous? Vous croyez que c'est des gens des vagabonds? Non, frère. L'amour de la famille. L'amour fraternel. L'amour philo. Jean et Pierre ont été libérés. Ils sont allés à l'église automatiquement. Les 8120 étaient là. On a des problèmes. Ils nous ont arrêtés. Ils ne veulent pas qu'on prêche. L'église a dit quoi? Ils ne veulent pas quoi? Je te pose la question. Ce qui t'intéresse, c'est qu'on te bénisse. On veut nous interdire de prêcher le nom de Jésus. C'est ça. On te dit que Jésus n'est pas Dieu. Ça t'intéresse pas. On te dit que Jésus est comme n'importe quel prophète. Ça t'intéresse pas. Viens prier. Ça t'intéresse pas. Ce que tu veux seulement, Jésus n'a qu'à me bénir. Ça c'est terrible. C'est terrible, hein. Et vous partez vous asseoir à ces gens-là. Et il dit votre pasteur là. Fais attention. Si quelqu'un n'a pas envie de mourir rapidement, dites-le, hein. Si quelqu'un ne veut pas qu'on l'enterre un mois là, ils n'ont qu'à arrêter. S'ils s'amusent, écoutez, non, n'applaudissez pas. J'ai averti les gens. Quiconque s'amuse. C'est le moment où j'ai dit que Jésus est Dieu. Quiconque s'amuse. Fait une incantation. Il est un cadavre. Il est un chimie. Et je vais vous montrer pourquoi il est mort. Nous sommes ici au Burkina. Que ceux qui regardent là soient sûrs. Ce n'est pas l'amusement là. Je suis un envoyé de Dieu. Et personne ne peut me toucher sans la volonté de mon Père. Non. Je vous dis à vous maintenant. Après tout ça là, enfin, tu es venu prier. Faut pour ça, mais. Tu as prié chez toi. Faut pousser à Yiri. Tu as prié chez toi pour ça. Faut pousser à Foyer Denaïn. On a été Pierre et Jean. On ne veut plus que vous prêchez quand Jésus est le bon de Dieu. Vous troublez tout le monde. Il dit, écoutez-moi, roi de ce monde-là. Il devait savoir, sous le ciel là, il n'y a aucun autre qui est, nom qui a été donné pour se sauver que le nom de Sampa à Jésus. Il dit, nous allons obéir à Dieu au lieu d'obéir aux hommes. Faites ce que vous voulez. Mais quand ils sont allés dire ça à l'église, l'église c'est indigné. On vous a fait quoi? On vous a arrêté? Pourquoi vous ne prêchez pas Jésus? On a osé faire ça. L'église dit, levez-vous. Aidez, pasteur. Jean-Pierre, asseyez-vous. La parole que vous avez semée à nous là. Combien de boutons pour moi? Il faut prier. Prier. Il dit, tu vois, Seigneur, les forces ténèbres se sont liguées contre ton serviteur Jésus-Christ. Ils sont liguées. Ils veulent continuer à se liguer. Il dit, maintenant, nous implorons le nom de Jésus-Christ. Afin qu'au nom de ton Saint-Serviteur Jésus, toi-même, étends ta main, qu'il se fasse des miracles, des prodiges, et qu'il prêche la parole avec assurance. Prier. Le ciel dit, ah, ça, c'est la famille de Dieu. Je reconnais ma famille aujourd'hui. Je reconnais mes enfants aujourd'hui. Et le ciel s'est ouvert. Saint-Esprit descend sur toi.
Quand l'église locale prie, est-ce que tu es là mardi soir? Talan zabre, when do you want to make the gap ka? Ou bien tu penses que si tu as un problème, tu seras mis de côté. Vota na yel hambe, il faut kabia pore. OK. Ayawa. Le Saint-Esprit n'est pas venu. Si son quoi va? Les miracles n'ont pas continué. Bon, ben, n'a pas qu'elle. L'église n'a pas grandi. Wendoka babi. Est-ce qu'ils ont pu arrêter l'église? Abtoua yaza wendoka. C'est pas cette église qui est devenue milliard aujourd'hui dans le monde. Bah wendoka ngan taton faruna la pied d'une église. Quelqu'un peut arrêter la famille de Dieu? Netun yala wendam zakaneba. Quelqu'un peut bloquer les enfants de Dieu? Netun gil wendam kwamba. Quelqu'un peut arrêter le fleuve de Dieu? Netun wendam kulanga dapasoi. Mais là, si l'église ne prie pas, tiens de basamba poude. Si l'église ne prie pas, wendoka banga poude. Un problème. Ils ont pu tuer Jacques à cause de quoi? Tu en quoi Jacques Boninga? À un moment donné, l'église a tellement grandi. Qu'elle ne priait plus. On a tué Jacques. T'as quoi Jacques? Ils ont arrêté Pierre maintenant. Qu'est-ce que l'église a fait? Qu'est-ce que l'église a fait? Dans Acte 12, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé maintenant à faire quoi? Pierre était en prison. Pierre était en prison. L'église a commencé à faire quoi? L'église ne cessait d'adresser à Dieu de quoi? Des prières. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé un ange. L'église locale est ignorante de sa puissance. Le problème, c'est que les prophètes là nous ont fatigués. Non, les pays, comme ils ont un pouvoir de faire des choses sans les autres. À ce mensonge. Il y a la tête sans le corps. Impossible. Jésus même qui est la tête. Il ne peut rien faire sans le corps. Donc, un homme qui est appelé seulement à être prophète ou prophétesse. Je vous dis, lui il peut faire les choses. Si vous n'avez qu'à croiser les bras, vous verrez il prie pour vous. Pourquoi vous croyez des mensonges? Si c'était vrai, pourquoi vos vies ne sont pas changées? Pourquoi vos problèmes n'ont pas cessé? Pourquoi eux-mêmes ont des problèmes? Pourquoi les familles des prophètes ont des problèmes? Pourquoi c'est moi qui viens voir maintenant? Pourquoi c'est moi qui prie pour eux? Je vous pose la question. C'est ça. Y allez-moi. Pose-toi la question. Ce comment ce que quand il y a quelque temps, de temps en temps, j'écorchais la montagne de feu. Les gens croient que je suis contre eux. Moi, je ne suis pas contre. Ah, quand il y a montagne de feu, je suis contre un membre du corps de Christ. Oui, on a un moment de kissy Christ, il y a Wilbe à Badaneba. Je vous le dis simplement. Là, il y a là. Restez fidèle. Y a le septième. C'est vendredi. Arjuma. C'est moi qui suis allé prêcher au pasteur de la sous-région de la montagne de feu à l'hôtel des choses. Montagne de feu, vous recevez un pasteur d'Amba. Moi qui ai prêché, vous recevrez une puissance. Pourquoi ils m'ont reconnu, ils m'ont appelé? Quand je parle seulement, ils croient que je suis contre eux. Non, c'est pas la peine de courir à gauche à droite. C'est ce que je vais vous dire. Si vous allez là-bas, c'est bon. Revenez dans votre église, faire vos cultes. Moi, je vous interdis pas de quelqu'un. Est-ce que un parent peut dire, ne va pas chez mon petit frère? Hein? Voilà. Je ne vous interdis pas de chez vous. Ce sont vos oncles. Ya nyame ya haramba. Paul a dit qu'ils sont des grands frères, donc on va. Okay, okay, c'est la même chose. C'est pour vous dire quoi, frère. Ya nyame, mais vous ne l'avez pas. Ta famille a une réunion. Faut zaken et faire tout. Pour vite. Où du goût est papa nous convoque à une réunion. Baba bo la ton tigisga. C'est quel papa nous convoque? Baba bo ton papa. Celui du ciel ça et le papa naturel nous convoque. Ne baton baro le père spirituel nous convoque. Tu veux dire ton tête droit. Ah ah. Toi tu vas à gauche à droite. Faut qu'on aille là. Et tu viens hier on va pour que dimanche, tu dimanche papa te bénisse. Baba barak fo. Réfléchis toi-même. Faut même ta sangue hé ya wana intelligent réfléchis. Comment ta bangre ta sangue ya wana. Si tu es occupé maintenant, on t'a réquisitionné au service. Ama ya ka foto pa. Tu as un rendez-vous important. Ou bien tu es marié, ton mari dit ne part pas. Si tu restes à la maison. Pas yiné. En esprit tu restes avec. Si préparé. Ou bien si ta famille ton papa dit faut baba. Tu pars pas à l'église aujourd'hui. Tu restes à la maison. Faut même pas yiné.
en dehors de ça là, ou bien tu es malade, ou bien tu as une réunion de famille, ça on t'autorise. Mais tu n'as rien à faire. Allez bavarder, te rendre comme gauche à droite, regarder la télévision, critiquer les gens. La famille en train de prier. Zakane pour rien. Zakane pour rien. Et toi, demain dimanche, je vais te bénir. Bon, ok. Frère, ma bise. C'est important. L'église locale, famille de Dieu. Si tu es famille de Dieu, l'église locale, là, tu dois aller de l'avant. Tu dois aller de l'avant. Pierre, Paul dit dans Ephésiens 6. 18-19, on ne va pas le lire. Paul dit priez pour nous. Priez pour nous. L'église locale prie pour ses, pour ses responsables. Il dit priez pour nous. Priez pour nous. En Romains 15. Romains pile à nous. Paul dit la même chose. Romains 15, verset 30. Romains pile à nous. Regardez ce que Paul dit. Romains 15, verset 30. Romains pile à nous, verset 30. Paul, l'église locale, prie pour ses, les membres. Pour les responsables qui sont membres du corps. 15, 30. Paul dit. Je vous exhorte, frère, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée. Et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. Donc les incrédules de Judée avaient bloqué donc l'avancement de Paul. Paul dit, il dit par le Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit. Si Jésus-Christ est votre Seigneur, si le Saint-Esprit vous a donné l'amour pour le corps de Jésus, si ce et que vous faites partie du corps de Jésus, alors priez pour moi dans le combat. Zabra Pouga. Où est-ce que Paul dit? Il y a pas un Paul Mehit. Quel Paul? Paul Bogo. Le grand Paul. Paul Kasanga. Il dit, si nous avons le même Seigneur, si nous avons le même Saint-Esprit qui répand l'amour, et que moi j'ai des problèmes, vous ne priez pas pour moi, à quoi ça sert? Combattez à mes côtés. Combattez à mes côtés. Je n'ai pas dit, donnez-moi votre argent. Combattez à mes côtés. Je suis prêt à souffrir. Si l'église est derrière moi, si l'église me soutient, si l'église est d'un seul cœur, je vais avancer. La même chose avec Moïse. Moïse était le leader de l'époque. Il conduisait son peuple vers Canaan. Arrivé donc au mont Hébron. Là-bas, Dieu a fait un miracle, il a fait sortir l'eau du rocher. Mais au même lieu là, le miracle s'est passé à Refidim. Amalek est venu. Amalek est venu automatiquement. Dès que le miracle de l'eau est sorti, Amalek a attaqué. Amalek Zabaneba. Ils sont venus pour attaquer. Josué, Moïse dit à Josué. Moïse dit à Josué. Moi, je suis l'apôtre. Je suis le visionnaire. Toi, tu es l'évangéliste. Descends dans la vallée. Descends pour combattre. Mais tu ne peux pas réussir. Si moi, je ne monte pas sur la montagne de la prière avec le bâton, l'autorité de Dieu. Mais comme Moïse est intelligent, Moïse dans Bangla, un homme ne travaille pas seul. Moïse est monté avec les deux anciens. Aaron et Hur. Sur la montagne de la prière. Sur la montagne de Horeb. Là où le rocher a donné l'eau. Malgré la présence du rocher qui est Christ. S'il n'y a pas de prière, l'armée israélite sera vaincue. L'armée de Josué sera vaincue. Même si Josué est loin, même si l'onction est sur Josué, il faut la prière de persévérance. Il faut la prière de persévérance. Jésus a dit veillez et priez. Il est monté sur la montagne. Aaron et Hur. Aaron et Hur. Il dit c'est Moïse, il est l'homme champion. C'est ça que les gens ont en tête. Il dit mais l'homme qui a ouvert la mer rouge. L'homme qui a fait des miracles là, il n'a pas besoin de nous. Aaron s'est assis, Hur s'est assis, et puis il regardait Moïse. Moïse a levé le bâton. Il avait la force. Il a levé le bâton. J'ai regardé la vallée. Josué repousse les Amalekites.
Mais à un moment donné, Aaron et Hur ont remarqué que le bras de Moïse, il a baissé ça pour se reposer. Quand il a baissé, dans la vallée des cris ont commencé. L'armée de Josué avait donné dos à l'ennemi. Vous entendez? Vous entendez? Ah oui, mais on ne comprend pas. Vous ne priez pas. Il n'y a pas pour. Vous ne comprenez pas. Il y a un pauvre devant. Quand Moïse a vu ça, malgré les douleurs, il a levé sa main encore. Il dit, Seigneur, ce n'est pas possible que ton armée soit vaincue. Dès qu'il a levé sa main encore, le Saint-Esprit a commencé à agir. Si son mais quand il a fait ça deux ou trois fois, Aaron et Hur ont dit, de quoi que nous sommes ici pour ce temps-là, c'est de soutenir la main de notre leader. C'est de tenir haut les mains de notre leader. Ils ont pris un rocher, vous entendez maintenant? Le rocher de quel l'eau est sorti là? Ils l'ont mis comme son fondement. Et Moïse est assis. Ça, c'est la première chose. Ils ont stabilisé sa vie en le faisant asseoir sur le rocher. Le rocher de la révélation. Le rocher de la victoire. Deuxièmement, Aaron s'est tenu là. Aaron Yazaka. Hur s'est tenu là. Yazaka. Chacun a tenu le bras de Moïse. Quand ils ont tenu le bras de Moïse, la victoire a été rapide. Ça, c'est l'église locale. Quand il y a un Windofan tourne. Si tu refuses ça, faut et si tu es Aaron, tu es Moïse, ont des problèmes. Aaron, tu es Moïse, on travaille. Et critiquer, ça ne sert à rien. Oui, tu n'as pas fait. Ça ne servira à rien. Tu n'as pas fait. À rien. Aïe, Bafi. Rien. Bafi, fi. Ah ouais. Hein? Et les pasteurs ont eu des problèmes. Pas, et après, l'année pour tu veux qu'ils fassent quoi? Frère de Satan va te détruire toi aussi. Satan, là, ça va faire, mais... C'est normal. C'est quand de... on arrive à saisir un chef d'état-major de l'armée, l'armée peut avancer. Donc l'église locale en prière, c'est la famille de Dieu, la famille des intercesseurs. C'est ça, frère. Ce n'est pas une affaire de venir prier, parce que je vais ceci ou cela. On vient prier en tant que membre d'une famille. On vient prier en tant que membre d'une famille. Et les membres de la famille se supportent les uns les autres. Tu comprends ce que je te dis aujourd'hui? L'église locale, une famille, la famille de Dieu. La famille locale de Dieu. On peut lire, et les disciples ont prié. Ils ont prié, ils ont fait beaucoup de choses. Et l'église locale en prière, c'est prié aussi pour la nation. Timothée 2 dit, l'église locale en prière prie pour les autorités. Pour les responsables, afin que les pays soient dans la paix. Si un pays n'est pas dans la paix, l'évangile ne progresse pas. L'église locale doit venir prier pour les autorités du pays. L'église locale n'est pas un parti politique. Mais nous obéissons à Dieu. Et à nous de prier pour nos autorités. De prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Qu'ils soient civils. Qu'ils soient militaires ou paramilitaires. Toute forme d'autorité. Nous devons prier pour eux. Pour que le pays soit dans la paix. C'est Dieu qui nous a commandé ça. Ne vous laissez pas distraire par quelqu'un d'autre. Ne vous laissez pas distraire par quelqu'un d'autre. Nous devons faire notre travail. Parce que les autorités vont changer un jour. Et quand nous ne serons plus là, il y aura de nouvelles autorités. Les jeunes gens seront un jour autorités. Mais nous devons continuer à prier pour que le pays soit dans la paix. Bien-aimés frères, l'Église doit prier pour le pays. 2 Chroniques 7, verset 13, etc. 2 Chroniques 7, etc. Et quand Dieu dit qu'il va fermer le pays, pour des nombreux péchés que lui a vu dans le pays, quand Dieu va permettre que les sauterieux viennent sur le pays, que les difficultés viennent sur une nation, les politiciens ne sont pas au courant, les syndicats ne sont pas au courant de ça. Il y a un seul monde, une seule famille qui est au courant des problèmes. C'est la famille de Dieu. Les politiciens vont se tirailler. Majorité opposition. Ça n'a jamais donné la paix. Les gens vont marcher. Les gens vont jeter des cailloux. Ça n'a jamais donné la paix. Parce que si Dieu est à l'origine d'un problème, il n'y a que la famille de Dieu qui peut demander à son papa de se calmer. Et ils vont se
symbole là. La tente cette puissance là. Tente la pancanya. Ne pas le laisser. Tu dépasses. Parce que notre Dieu peut être en colère. Ton ouin est un parce qu'il y a des meurtres. Badnim courbe. Du sang versé. Jimendar. Et Dieu n'aime pas ça. Ouin n'aime pas l'ongre. Alors quand le peuple de Dieu. Ouin n'aime n'aime. Va devant le trône de la grâce. Sans qu'il le rongo la taule. Demande à Dieu. Oh Dieu. Oh ouin n'a pas dit de fermer tes yeux. Aïe dit mon ennemi. L'injustice. Ouin le zoom. Car ton trône est basé sur l'équité et la justice. Balayam quoi les yeux. On a pas pas de les gens croient que nous disons à notre Dieu d'être un Dieu injuste. Non. Notre Dieu a pour trône l'équité et la justice. Mais un Dieu de grâce et de miséricorde. Et pourquoi nous prions les uns pour les autres. Et dit, quand je vais envoyer tout cela, maman, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Prie, cherche ma face et te détourne de ses mauvais. Je vais guérir son pays. Donc la guérison du pays n'est pas dans la main des politiciens. J'ai dit ça avec respect. C'est dans la main de la famille de Dieu. Dieu a dit de prier pour nos autorités. De prier pour la paix du pays. Et c'est nous sommes qui pouvons calmer le cœur. C'est vous qu'on fait les chats noirs qu'on se. Non. Moi-même, je ne mange pas de chat. Comment Dieu va être apaisé par les chats noirs? Les boucs que les gens font comme sacrifice, ça ne sert à rien. C'est une insulte à Dieu d'aller donner des galettes à des fourmis. La galette là tue toutes les fourmis. Elle est tellement lourde que les fourmis ne peuvent pas vivre. Quand on dit ça, les gens veulent se juger pour m'attaquer. Ils peuvent m'attaquer comment? Aïe. Toi aussi, soyez logique. Comment toi tu adores les fourmis? Les fourmis peuvent m'attaquer moi et les grands diamants. Sois intelligent. Tu crois que tes boucles peuvent m'attaquer? Tes bibles peuvent m'attaquer? Moi j'ai le grand Dieu à moi. Répands-toi. Dieu t'aime. Mon ami, Dieu t'aime. Amen. Amen. Sois béni là. Pambarkai. Frères et sœurs. Mais pour la même pas. Alors, enfin, l'église locale se réunit. Pour s'attendre à son Dieu. Il se réunit. Et il s'attend à ce que son Dieu vienne le visiter. Quand l'église locale est réunie, tu dois venir avec le cœur d'attente. Faut dehors. Faut serrer dans le yin. On va ni goût de sou. Aujourd'hui, on va voir. Hein. Le groupe musical. Non. Groupe musique, viens ici. Wakaya. Avec solennité. Halimeng où tu t'en vas? Je m'en vais à la réunion d'attente de Dieu. Nantongouen nam nom à la soba. On va attendre Dieu. Et nantigouen nam. Osez 6. Osez 6. Osez chapitre Yobé. Si tu connais l'endroit, Osez 6. Osez Yobé. Osez 6. Osez chapitre Yobé. Lis ça rapidement, verset 3. Kalmatata, verset 3. Osez 6. Osez Yobé. Connaissons. Et bang. Cherchons à connaître l'Éternel. L'albote et bang, c'est un casabo. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Awa hakika. Apprenons à l'attendre. C'est pourquoi, dans 1 Corinthiens 14, verset 1, il est dit que nous devons aspirer au don. Aspirer au don. Quand nous aspirons au don, dans l'attente, les dons vont se manifester. Toujours dans 1 Corinthiens 14, verset 26, il est écrit, je vous le lis, que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez. Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique? Vous voyez? Ça veut dire que Dieu a, nous avons déjà reçu des dons. Nous avons des dons. Je vous ai dit ça dimanche passé. Vous avez reçu un don. C'est un cantique. Vous ont-ils un cantique? Une instruction? Une révélation? Une parole de langue? Une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Donc, nous sommes là en train d'adorer Dieu. Dimanche matin, nous devons nous attendre à ça.
Seigneur, je suis un membre pour l'utilité commune. Je suis là pour être utile à mes frères. Est-ce un cantique inspiré que j'ai reçu? Un cantique inspiré? Est-ce une parole, une instruction? Est-ce une révélation? Je peux m'approcher avec sagesse des responsables. Quand la révélation, je sais qu'elle me dépasse, je ne la balance pas comme ça. Je viens vers les responsables. Et c'est pourquoi l'accueil est là. Dites à l'accueil que vous voulez voir le pasteur, un des pasteurs, un ancien, votre diacre de l'église. Voilà ce que vous avez reçu. Le diacre de l'église peut envoyer un mot au pasteur en disant qu'il y a un frère, une soeur qui a reçu une révélation. Pourquoi je dis cela? Il dit pour ce qui est des prophètes, écoutez maintenant. Pour ce qui est des prophètes, ceux qui ont le don de prophétie, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Vous entendez? Que les autres jugent. Si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Au moment où quelqu'un dit qu'il a une prophétie, il est en train de parler, si un autre frère se lève avec une révélation, il dit: mon frère, elle n'est pas totalement juste. Mais entre eux, ils parlent. Ils continuent. On n'a pas dit de balancer n'importe quoi. Il dit: car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Vous voyez, frère, vous voyez, quand quelqu'un a une prophétie, il se lève et dans le calme il lève la main. Et s'il sait que la prophétie est biblique, mais s'il trouve que c'est une révélation qui dépasse sa compréhension, en ce moment il peut parler à son diacre ou quelqu'un, et on fait là, on lui donne le message. Tous ceux qui sont venus, qui sont bâtis Saint-Esprit, Saint-Esprit veut travailler avec vous. Ce n'est pas le pasteur seulement. Si on laissait le Saint-Esprit travailler, moi je vais réduire mes messages à moitié. Si je viens vous trouver, en train de prophétiser, la présence de Dieu est sur vous, je ferai attention pour ne pas me mêler de ça. Parce qu'en ce moment, Dieu est en contrôle. Continuez à prier jusqu'à ce que vous soyez un canal de bénédiction. Écrivez les choses que Dieu vous révèle dans vos maisons. Dieu peut, dans votre prière, vous révéler ce qui n'est pas dans l'église. Écrivez ça bien. Si vous avez un ordinateur, saisissez. Dès que vous venez, au fur et à mesure, on va voir. Les pasteurs peuvent vous attendre dans la salle des diacres là. Si vous avez des révélations, avant que le temps d'adoration commence, avant 8h30, voyez-les. Donnez-leur. Ils vont examiner. Au moment où le Saint-Esprit commence à donner, on peut vous appeler, vous allez venir donner votre message. Donnez-le, parce que quand les gens sont devant la foule, ils changent. Et à ce moment, devenez faux prophète. Dites ce que, même si c'est écrit là, dites si c'est valable. Au fur et à mesure, vous serez un prophète affermé. Vous serez une prophétesse affermée. Mais ne croyez pas que vous devez dire n'importe quoi. Ne pas vous laisser faire. Parce que il y a des jours, même Pierre a eu la révélation. Christ, le Christ, je suis le Dieu vivant. 5 minutes plus tard, tu ne mourras pas. Jésus. Ah, Jésus l'a réprimandé. Jésus l'a réprimandé. Quel est cet esprit qui agit là? Si on laisse la liberté, chacun se lève. Dis oui, j'ai vu. Tu t'appelles François. Faut François. Tu vas mourir dans la semaine prochaine. François ici vont faire quoi? François va faire la main, voilà. La Bible a conquis coucou Pierre, mais qu'est-ce que tu veux mettre encore? Amen. Le quel quoi, ils vont plus suivre le message. On ne sait pas quel François va mourir. Il y a François. Oui. Parfois les gens croient qu'ils doivent dire n'importe quoi. Il y a non. Si on laisse comme ça, on va détruire tout le monde. Voilà. Oui, j'ai vu.
Tu as vu Sisiaka. Tu as vu, il a fait quoi? Rien à voir là-bas. Faut pas l'écouter. J'ai vu celle-là. J'ai vu celle-ci. Niazara. Il a fait quoi? Bon, la mania. Ça, c'est pas la prophétie. Non, pas nous laisser quoi? La prophétie exhorte. Nous laisser comme tu veux, d'ailleurs. Édifie. On mène de vie. Courage et encourage. On la porte de la route. Tu comprends? Vous me l'avons. La prophétie ne détruit pas. Nous laisser comme pas Sam, n'est pas pour n'est pas pour que les gens meurent. Nous laisser comme pas ni qui. Tu ne peux pas tuer les gens. Quand tu connais pas qui? Toi, tu es tué dans l'église. Moi, n'a rien que votre ninkoda. Toi, tu lèves seulement pour dire que les gens vont mourir. N'y a ni mal ni chimie. Et qui va accepter ça? Quand on a ça, il faut là où n'a mal là. Quelqu'un va dire amen? N'est-ce pas il est amen? Vous allez dire amen à ça? Amen, il est amen. On dit la prophétie édifie. Et nous allons mettre en exorde. Allez, mais qui on est là? On ouvre les dents, serre les tiens. Mais elle ne tue pas les. La pas courte n'est pas. Élevons la voix, on va prier ce matin. Et c'est quelque chose dans posa ibeo. Tu fais partie, dis, je suis fait partie de la famille de Dieu. Il a maman nara wena mzaka neba. Asseyez-vous d'abord, asseyez-vous. Pour ceux qui ne sont pas de la famille de Dieu ce matin, toi qui n'es pas encore converti à Christ, Dieu te donne le privilège ce matin de recevoir grâce sur grâce. Là où tu es au milieu de nous, tu veux donner ta vie à ce Jésus-Christ là. Tu veux devenir enfant de Dieu. Là où tu es, tu te lèves maintenant. Tu es venu ici, tu n'as pas encore livré ton cœur à Jésus. Tu ne le connais pas comme Sauveur et Seigneur. Là où tu es, tu peux te lever maintenant. Tu peux te lever et tu te tiens debout. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes encore? Tu es venu ce matin. Pour connaître Jésus. Tu te tiens là où tu es. Et on va prier avec toi. Comme cela, tu pourras dire toi aussi. Tu veux être membre de la famille de Jésus. Est-ce qu'il y a d'autres personnes encore? Tiens-toi debout, oui. Voilà, d'autres. Ouais, lève-toi simplement. C'est important aux yeux de Dieu. Tu veux recevoir Jésus ce matin, ton Sauveur et Seigneur. Il est l'agneau de Dieu qui est mort à la croix de Calvaire. Il a pris tes péchés. Alors Dieu te donne l'occasion ce matin de le recevoir et d'être sauvé. Alors tous ceux qui sont debout, mettez votre main sur votre poitrine. Mettez votre main sur votre poitrine et dites avec moi, Seigneur Jésus. Jésus. C'est toi l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Tu es mort pour moi. Vous qui êtes à la télévision, faites la même chose et tu as pris tous mes péchés. Et ce matin, je crois dans mon cœur que tu es mort et ressuscité. Pour me réconcilier avec Dieu le Père. Et je confesse par ma bouche que tu es Seigneur de ma vie. Maintenant, à cause de cette confession, je reçois le pardon de mes péchés et je te reçois comme sauveur dans mon cœur. Tu es dans mon cœur maintenant et par le Saint-Esprit, je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu et à partir de maintenant, je fais partie de la famille de Dieu et Dieu est mon Père. C'est une grâce que j'ai obtenue d'être de la famille divine. Merci Père, car cela est réel. Amen. Acclamez les frères et sœurs. Acclamez-les. Vous êtes partie de la famille de Dieu et le Dieu de grâce est avec vous. Maintenant, quant à toi, dis Seigneur Jésus. J'avais oublié que je faisais partie d'une famille spécifique. La famille du grand Dieu. Je n'avais pas pris conscience que réellement le christianisme c'est une famille. Je voyais un corps dispersé. Mais ce matin, je décide
de rester comme membre de cette famille-là. De reconnaître mes frères et mes sœurs. De les protéger. De les bénir. Je vais être une source de bénédiction pour chacun de mes frères et sœurs. Je veux être un instrument que tu vas utiliser pour les protéger, pour les soulager, pour les bénir. Je me détourne de ma vie égocentrique. Je me tourne vers mes frères et sœurs. Car l'amour de Dieu qui est répandu dans mon cœur me donnera la force d'aller vers mes frères et sœurs, de les bénir sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel et financier. À tous égards, j'ai décidé, Seigneur, par l'aide du Saint-Esprit, à partir de maintenant, de répandre ton amour de façon pratique sur mes frères et sœurs. Je ne veux plus les détruire par ma bouche. Je ne veux plus les négliger. Mais je veux prendre soin d'eux. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Voici.